Hello, j'espère que vous allez bien. J'avais fait une intro pour ma vidéo YouTube. Du coup, je vais être habillée différemment sur tous les plans. Mais j'avais fait une intro, sauf que en fait, elle était super nulle et impossible à. Elle était nulle et j'avais oublié plein de trucs à dire. Donc voilà. Alors, sur TikTok, j'ai annoncé que j'allais faire 25 choses pendant mes 25 ans. Avant et pendant. Mes 25 ans, et du coup, mon premier vœu c'est de déménager. Et du coup, j'ai déménagé, mais j'ai pas juste déménagé, j'ai acheté un appartement et je suis trop contente. J'ai pu acheter un appartement parce que du coup, je travaille toujours à côté. Ça fait 3 ans que je taffe à côté, que je suis en CDI chez Kikikix. Du coup, j'ai pu avoir mon prêt grâce à ça, et aussi j'ai pu toucher un héritage, enfin, j'ai touché un héritage de ma famille, donc j'avais un bel apport pour faire un prêt. Du coup, voilà, pensant, c'est pas du tout l'influence qui paye mon appart parce que j'ai pas, je me verse pas d'argent avec l'influence. Pas pour le moment, bientôt peut-être, mais pour l'instant, j'ai assez pour rembourser mon loyer avec ce que j'ai déjà avec mon taf, donc voilà. Donc, je suis trop contente! Mais du coup, c'est parti pour un petit appartement tour. Je vais juste faire. En fait, il n'est pas encore fini. Enfin, il est fini, mais il manque beaucoup de trucs. Bah, genre là, il manque un lustre. Je vais faire l'avancée de mon appartement sur TikTok en général, et après, je vous ferai un grand appartement tour sur YouTube. J'espère que vous avez kiffé. J'ai perdu la première vidéo que j'avais de mon appart. Je l'ai que en comme ça. Donc, la vidéo, elle est un peu chelou. Enfin, c'est un peu un an de vidéo que j'ai fait avec mon téléphone. Et j'ai même pas filmé avec ma caméra, puisque je savais pas quand est-ce que j'allais aller à l'appart et tout. Donc, j'ai tout filmé avec mon téléphone et j'ai perdu 2-3 vidéos. Donc je vais essayer de faire ce que je peux pour le montage. Surtout que c'est moi qui fais mes montages après mon taf. Enfin bref. Du coup, je dors pas énormément non plus. Donc soyez indulgents avec mes montages, s'il vous plaît. Parce que je peux pas me payer un monteur pour le moment. Donc voilà. Bisous. Bon, les gars, aujourd'hui, je récupère les clés de mon appartement. J'ai trop hâte. C'est le grand jour. Là, je suis en train de choisir mon béton ciré. Donc, je pense que au sol, je vais mettre ça. Et sur ce mur-là, je vais mettre l'un. Genre, je vais faire un mur en béton ciré et tout le sol en béton ciré. Ça va être trop beau. Bon, du coup, les travaux ont enfin commencé. Donc là, ils ont réussi à fermer le mur. Mettre un faux plafond. Hop. Les toilettes. Ils ont tout cassé. Là, ça va être ma chambre du coup. Donc là, la cuisine. Elle est déjà toute démolie. Et là, c'est là où il va y avoir mon mur de sneakers. Du coup, là, c'est le mur du coup qu'ils ont rajouté. C'était ouvert de base. Et voilà, là, il y aura des placards. La salle de bain. Donc, là, je suis sur le chantier de mon appartement. Tout a grave bien avancé. C'est un chantier, là ils ont fermé le mur. Là ils ont fait un mur. Bon, là je déménage dans environ un mois et quelques jours. C'est presque bientôt fini. En fait là, là il était trop nul. Mais ils ont déjà mis les fenêtres et tout. Là, ils ont mis le dressing là. En fait, je pouvais même pas vous montrer parce que du coup, vu qu'ils ont mis les fenêtres, je pourrais vous montrer le dressing. Bon les gars, je suis trop contente, l'appart est terminé. Bref, je suis trop contente. Là, je vais vous faire un petit appartement de tour. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et tout parce que ce que vous voyez avant, ça a vraiment changé de maintenant. Je vais pas vous montrer mon meublé parce que je vais tout vous montrer sur TikTok, tous les meubles. Parce qu'en gros, je vais meubler petit à petit. Donc, tout le meublement, bah, je vais vous le montrer sur TikTok petit à petit. Donc voilà, vous pouvez suivre sur YouTube et sur TikTok. Au début, je savais pas si j'allais en parler sur mes réseaux sociaux de mon appart. Mais c'était vraiment un truc que j'avais grave envie de partager avec vous. Parce que rien que. Enfin, je me suis toujours pris des critiques, ce que je peux comprendre, parce que. J'ai pas. On peut pas être aimé par tout le monde.
Mais le truc, c'est que moi, je suis pas une méchante et je prends personne sur mes réseaux pour personne pour des cons. Et j'ai vraiment envie de tout partager avec vous et je suis vraiment pas votre ennemi, sachez-le, je suis pas une méchante personne et je veux du mal à personne. Donc voilà, je veux qu'on fasse ça ensemble, je veux que ce soit good vibes. Et si vous pensez que je mérite pas, moi je pense que je mérite mon appartement. Et je sais que ça va faire parler, que j'ai des amis qui ont acheté un appartement, ils se sont fait lyncher sur les réseaux sociaux. Et ça me fait de la peine parce que, enfin, tout le monde mérite d'avoir du bonheur dans la vie et j'ai pas envie que. Enfin, c'est trop dommage qu'on s'aide pas tous entre nous et voilà. Ok, donc on arrive par la porte d'entrée. Là, c'est le salon. Voilà, avec un petit balcon, enfin un énorme balcon devant. Hop, hop, hop. J'ai fait du béton ciré. C'est Jenny Création qui me l'a fait. Et super bien. Alors, les toilettes. J'ai fait un toilette japonais. Enfin, les toilettes, du coup, le toilette marche avec une télécommande. Voilà. Je suis trop contente. Voilà, petit meuble de salle de bain et tout. Donc là, ça sera ma chambre. Voilà. Toujours béton ciré. Et j'ai mon petit balcon dans ma chambre. Ça, le dressing. Bon, voilà, ils sont encore en train de mettre ça. C'est fini dans 2 jours. Donc, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Là, je vais mettre mes grands miroirs. Il y a un énorme miroir blanc ici. Là, c'est la salle de bain. La salle de bain, elle risque d'être finie la semaine prochaine parce qu'il me manque le meuble de salle de bain. Ça, c'est trop dommage. Mais il faut que je vous montre ce qui va se passer dans la salle de bain parce que ça va être dingue aussi. Alors là, là on a que. Enfin, on a 2 petits placards pour ranger les manteaux. Alors, là, ça va être mon mur de sneakers. Donc, toutes mes sneakers seront ici. Et j'ai acheté. Enfin, non. J'ai fait faire un néon par Monsieur Luciole, du coup. Et je vais le mettre ici. Et il y aura écrit Are you lost? Voilà. Et la cuisine. Voilà. J'ai déjà posé les chaises parce que, en fait, je ne connaissais pas avant Silency. Mais Silency s'occupe de. En fait, Silency, c'est une énorme brocante en ligne. Et du coup, j'ai récupéré ces chaises qui, de base, coûtent assez cher. Et au final, j'ai eu un lot pour vraiment pas cher. Donc, j'étais trop contente. Bon, elles ont des petites usures, mais c'est pas grave. Franchement, c'est super beau. Et oui, cuisine tout équipée SMEG. Voilà. Et petit carré métro pour rester dans la vibe de métro parisien. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a réalisé mon premier rêve ensemble. Donc, même s'il y en a qui pensent pas qu'on est ensemble, pas, on est ensemble. Vous n'avez pas le choix, vous êtes mon ami. On a plein de trucs à faire ensemble et j'ai trop hâte. Et rendez-vous du coup pour le prochain vœu. Bisous!